Et allô tout le monde, et c'est JS, si on se retrouve aujourd'hui pour... Je peux parler ? Pour le cinquième épisode de ce Let's Play sur GTA 3. Enfin, je crois que c'est le 5, hein. Si je sais compter, non, bah, c'est le 5. Donc on se retrouve sur ce temps de merde. Et on va reprendre de là où on était. Et comme vous pouvez voir, je me suis cassé le cul à rentrer la voiture en marche arrière. J'ai éteint la machine, mais moi c'est pas une machine, hein. Enfin, si, c'est une machine entre guillemets, et puis, merde, ta gueule. Donc, on va s'enjoyer et on va continuer l'émission. Putain, on est un gros psychopathe. Hop là, c'est parti. Alors rien, non. Non, j'ai rien dit. Deux secondes. Donc on reprend. On va essayer de jouer. On va essayer de jouer, donc je disais, pour faire la mission. Putain, attendez, j'ai un gros truc là. Putain, on va y arriver, la perturbation totale. Alors, c'est bon, on y est. Ah, vas-y. Alors, je suis arrivé. Putain. D'ailleurs, je vais pas chez Salvatore. Ça, je vous préviens d'avance. Parce que j'aimerais faire des missions sur Joey. Donc, on va faire autrement. On va faire ça. The name's Chox. Marty Chox. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Bon, ben, on va devoir t'abandonner, toi. Je t'aimais pourtant, tu sais. Enfin, l'amour. Ça vient, ça va. Allez, ouvre-toi. Alors, le mec, il a une voiture comme ça, il ose encore dire qu'il a des problèmes d'argent. Tu m'étonnes, mec, t'as des good shots. C'est parti, va voir le banquier. Oh. Faut vraiment que j'arrête de me prendre le portail. Mais j'étais persuadé que... qu'il y a. Attendez. Ah oui. Oui. D'accord. Donc attendez, je vais trouver. Regardez en arrière. Oui, attendez. Oui, désolé, là, je suis en plein dans les commandes. J'aurais dû regarder ça avant, mais je suis curieux, là. Véro Mage. Bon. Vous dites, je ne sais pas, hein. Bon, laisse tomber. À moins que... Ah, bah oui, j'étais persuadé qu'on pourrait regarder en avant. Et je viens de me tromper de virage. Et je n'ai plus de caisse. Donc c'était la molette et la souris, bien sûr. Ah oui, mais c'est ça que ça voulait dire, BMS. Mouton, molette, souris. Je suis déçu de ma façon de lire de travers. Donc on va prendre le banquier. Bonjour monsieur le banquier. Ne faites pas gaffe au tir. Ce n'est que superficiel. Oui, une visite qui va mettre du pâté dans le... Je vais pas te faire cette blague parce que sinon je vais être censuré. Il y avait aucun truc méchant, enfin il y avait aucun truc dégueulasse, mais en fait c'est que... Voilà quoi. Allez, c'est parti. Écoutez bien, ça va faire du bruit.
Il y a marqué quoi? Bitchin Dog Food. Bon, je sais pas. Alors. Écoutez bien. Hop là. En clair, il l'a. Soit c'est une presse hydraulique, soit il l'a tué. Autrement, que, des façons que je ne veux même pas savoir. Sinon. Donc. Pardon, excusez-moi. Et j'ai pas réactivé mon chrono, je suis vraiment putain de tête en l'air. Donc on reprend. Note à moi-même, faire un post-it sur mon bureau pour ne pas oublier d'activer le chronomètre. Là, c'est pas la presse hydraulique. Comment ça s'appelle de nouveau, on va appeler le démolillator 2000. Oui, bon, chacun ses trucs, hein. Garde-toi à l'emplacement indiqué. Elle sera compressée. Attends, faut que je lise un truc. Garde-toi à l'emplacement. Ok, ça me dit rien du tout, en fait. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas de... Moi, j'avais dit stop la musique la dernière fois. Parce que j'ai toujours pas... Là, on peut admirer la magnifique animation complètement foirée de la porte qui s'abat sur la grue, le tremblement de terre et la réouverture. Mais où est la voiture? Ah, mystère et boule de va te faire foutre. Bon, comment... Bon, allez, hop. Si je réfléchis bien, Salvador, c'est pas une mission qui passe tout de suite. Je sais qu'on doit aller buter quelqu'un. Je le sais, je le sens. Enfin, plus d'une personne, j'ai envie de dire. Salut. Alors, c'est pas très élégant de venir en camion comme ça. J'ai quelqu'un. Bonjour! Je ne suis pas invité, mais je viens en camion! Pum, pum. La fille du Mongol. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Je me sers un bois, hein. La musique m'y entraîne. Ch'tom pam pam. Eh bien, on va voir ce monsieur frisé. Alors, on va se prendre un petit taxi pour une technique. Vous allez comprendre laquelle. Ça, je l'avais lu. Enfin, je l'avais vu surtout sur un truc. On va prendre un taxi. Et on va lui dégommer sa race. Non, perdre. Mais c'est pas klaxonné, je voulais, c'était freiné de base. Allez, c'est parti. Mais fais gaffe aussi où tu vas, toi. Donc. Je vous dis bien, de base, il est censé avoir un taxi qu'on doit suivre pour savoir où il va. Or là, on va faire en fait le taxi. On va dégommer sa race, vous allez voir comment prendre la place d'un taxi et comment être surpayé. Regardez bien, ça va être drôle. Pousse ton cul. C'est pas le bon. Mais c'est pas le bon. Vous vous rendez compte que je viens de rater ma mission? Tout ça parce que j'ai pas pu avoir mon flouze.
Stupido. Bon, vous savez quoi, je vais reprendre un taxi tout neuf parce que j'aime pas les taxis abîmés. Je sais pas, ça fait pas professionnel. Bon, après, on peut se vanter d'être super taxi. Et d'avoir de super boobs. Pardon, je suis pas une meuf. Donc je peux pas avoir des boobs. Donc, alors, là, ok, il y a des discussions cheloues là sur le truc là. Oui, j'ai encore Skype allumé, je suis vraiment désolé, mais il faut que je me tienne au courant de certains trucs. On va parler bien français. Bref. Alors, on y va. On va y arriver, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Hop là, demi-tour contrôlé. Une belle lune. Avec quoi pensez-vous, bande de gros dégueulasses. Alors. Ce que j'aime bien, c'est la modélisation des phares. C'est de gros carrés de lumière. Implantés tout simplement dans des phares qui ne prennent pas de couleur. C'est bien pour l'époque, mais bon. C'est pas très discret, je veux dire. Regardez ça. Vous appelez ça de la discrétion, oui. Ça se grille à 400 mètres. Alors, en fait, il faut défoncer quand même la voiture ou se garer devant. Je sais pas, j'ai pas compris le concept. J'ai pas adhéré. On va y arriver, Je vais avoir confiance. Bob le frisé s'est dégonflé, le rendez-vous est annulé. Seigneur Dieu. Bon, vous savez quoi? Au lieu de jouer les gros imbéciles, et c'est-à-dire suivre ce que j'ai vu sur internet, ce qui est complètement visiblement impossible, je vais me la jouer autrement et suivre tout simplement le taxi. Ou alors, je recommence comme ça. Et si j'y arrive pas, je fais une coupure. Voilà, tout simplement. Donc, on y va. Donc là, je vais pas beaucoup parler, hein, parce que si jamais ça rate, je vais devoir faire une coupure. Donc on se dit à tout de suite, hein, si jamais. Souhaitez-moi bonne chance. Et donc les gens,
maintenant que j'ai pas réussi. Donc on va se la faire à l'ancienne. Donc on attend. Ah, on attend, on attend. C'est bon. Balanceomètre. Je savais pas que ça existait chez nous. Oh, oh, oh. Alors, je risque pas de le perdre de vue, je connais où il va. Putain, comme c'est mal modélisé de loin. Les roues c'était des losanges. Des carrés quoi, des bêtes faire foutre. Et il a tourné. Nous faisons de même. Genre ça fait pas louche d'être suivi par une voiture qui ose pas trop s'approcher quoi. Ce qui est louche c'est quand t'es trop près de l'autre quoi. Vachement envie. Ouais. Tu te calmes. Je conduis bien, non? Allez, bouge ton cul, putain. Là, il tourne. Et non, mais comme j'ai dit, hein, j'ai fini plus d'une fois le jeu. Hein. Je te vois. Et on va se garer là. Our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Ah bah dis donc. Cogne Bob le frisé. Cogne Bob le frisé. Comment il n'a pas survécu? Allez, maintenant on va encore faire une mission de jouer et on arrêtera, je pense. Alors, je vous explique un truc, j'ai pas mis mon chrono. J'ai oublié. Totalement. Enfin, si, je l'ai mis, mais en fait, c'est que... le problème, c'est... Alors, voyez-vous, en fait, j'ai... Il a bugué! Bon, pendant la cinématique, je vais juste voir un truc. Parce que j'ai posté avant sur Skype avant de tourner, donc je sais à peu près à combien de temps je suis. Alors, attendez. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Et donc ouais, ça va être la dernière mission parce que je crois que ça fait 30 minutes à peu près. Donc j'ai pas vraiment suivi ce qu'il a dit. Je suis désolé, mais là, je sais plus quoi faire. Je vais savoir ça dès que j'y suis. Ah oui, voilà, c'est bon, je me souviens. Cambriolage. Attends, je passe à 10 000 km à l'heure. Je fais des coups pas possibles. Et on me repère au moment où j'écrase juste une personne. Petite personne. Toute petite. Petite comme ça. Comme ça. Je vais changer de voiture. C'est trop suspect. Enfin, vous me direz, hein, tout est suspect. Et c'est quand qu'on me lâche la toile. Vous ne me voyez pas.
Bon, ok, vous me voyez, oui. Allez, vous ne me voyez pas. S'il te plaît, lâchez-moi là, je vais prendre des gens. Largue les flics pour... Ah, lâchez-moi. 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 J'allais chanter. Heureusement, ça s'est arrêté à temps. On a eu Zenith. Non, non, chante pas. Mais j'ai quand même chanté. Parce que je suis un gros bâtard. Non, je rigole. Je compte pas. Donc. C'est là. Alors. Panette qui était. Je sais pas quoi. Klaxon. Ok, le mec il tombe. Je paf. Ils sont trois. Ils ont un. Je sais pas de regard sur la tête. Wow! Mais dégage, mais dégage, mais dégage, je te demande pas, respect, respect, hop. Je suis une personne violente, je sais, je sais. Mais bon, j'ai horreur qu'on me défonce la gueule, tu vois. Alors... Alors, alors, là-bas, ah bah oui, là voilà. Bon, on a tué un banquier de toute façon. Zut. Laisse le moulin tourner, il n'y en a pas pour longtemps. J'attends. Il y en a deux qui sont morts. Non, un. Alors déjà, pour savoir, depuis quand le cambriolage est aussi rapide? Parce que d'après mes souvenirs, hein, c'est pas aussi rapide. Hein. Enfin, c'est peut-être pas un cambriolage, peut-être qu'ils voulaient déposer un truc et ils sont allés un peu violents. En fait, ils voulaient déposer leurs potes sur leur compte, et puis voilà quoi. C'est l'histoire de la vie. Mais ils sont cons. Il est con. Il est con. Il est con. Le gars, il sort. Putain, mais c'est pas vrai. Je suis jamais tombé sur aussi incompétent quoi. Jamais. Le gars, il prend son fusil à pompe et il tire alors que la voiture était déjà couchée par terre. Enfin c'est pas vrai ça. C'est quoi c'est. Attendez, je vais y arriver. C'est quoi ces bandes d'incompétents? Écoutez les gens, on va achever l'épisode là-dessus, sinon ça va faire plus de 30 minutes. Donc je vous dis à la prochaine tout le monde.